Bonjour, avant toute chose, je vous demanderai de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est déjà fait et si les contenus de mes vidéos vous plaisent en cliquant sur la vignette en bas à droite de cette vidéo. Alors Balthazar, c'est un jeu d'arcade publié par Titus en 1987 pour les Thomson MO5, MO6, TO7, TO8, TO9 et TO9+. Balthazar, c'est un ivrogne qui vit sur les ponts de Paris et dont le but est de récupérer les bouteilles d'alcool qu'il trouve dans les poubelles ou sur le sol. Alors moi, je n'ai jamais bu une goule d'alcool, mais en fait, ce jeu, c'est un vrai coup de cœur que j'ai. Et Titus, là, a fait un super concept. Alors, c'est un jeu d'arcade, donc ça joue à la manette de jeu, hein. Bon, il faut bien se placer juste derrière la poubelle. Et on clique sur le bouton de tir pour récupérer les bouteilles d'alcool, s'il y en a. Il n'y en a pas. Alors ce serait très simple s'il n'y avait pas d'ennemis. Hein. Il y a des ennemis partout, il y a des gamins, il y a des crapules enfin des bandits en manteau jaune, comme là par exemple. Et donc il faut récupérer les boissons pour avoir le maximum d'énergie. Chaque boisson bue rapporte 1100 points. Et vous voyez, on peut frapper les ennemis quand on a suffisamment d'énergie. Alors les gamins, c'est facile, mais après, quand on a les adultes, là, il faut boire beaucoup de boissons, en fait. Vous voyez, les décors sont nombreux et très variés. Là, on a une espèce de hangar. On a une rambarde, là. Non, je vais pas l'affronter maintenant. J'ai pas assez de boissons. Je vais aller par là. Hop. Allez, assez vite. Hop. Donc vous voyez, soit je m'abaisse quand le gamin arrive. J'ai plus assez d'énergie là. Quand je cours devant un ennemi, en fait, je peux l'éviter aussi. Vous voyez? Est-ce qu'il y a une boisson là? Non, il n'y a rien. Et là, en fait, je peux redescendre à nouveau. Non, je peux pas. Comme ça. Pour descendre, en fait, non, je peux pas. Est-ce qu'il y a une boisson là? Et pour descendre, en fait, on appuie sur la manette en haut. Voilà. Ouais, là je peux descendre en cliquant sur la manette en haut. Et je me retrouve en bas. Bon, c'est vachement logique, mais bon. Le jeu est hyper bien fait, hein. J'adore le concept. Hop là. Non, c'est pas bon. Hop. Bon, tant pis. Faut bien se positionner devant la bouteille, en fait. Alors. Ouais, quand on voit gamin sauter, on appuie sur le bouton de tir. Donc on a 4 types d'ennemis, on a les gamins, on a les hommes en blouse jaune, en manteau jaune, pardon. Vous voyez là, j'ai beaucoup de points d'énergie, donc je peux y aller. Là, je vais perdre. C'est sûr que je vais perdre. Il y a plus d'énergie que moi, donc voilà. J'ai 20 000 points, donc là j'ai perdu. Donc c'est ça le jeu, c'est un jeu d'arcade. Alors je trouve ça vachement drôle.
Et là, à la fin, en fait, il faut déplacer la bouteille pour éviter les boules, pour avoir le plus de points, en fait. Et plus ça avance, et plus ça va vite, les boules de neige. Donc ça, on a ça à partir de 5000 points, en fait. Donc là, c'est encore un petit truc en plus sur le jeu. Ah mince, 23000 points. Et donc on rentre le score à la fin avec un tableau de score. Et vous voyez qu'en fait les autres scores c'est 1987 qui est l'année de sortie du jeu Balthazar. Donc voilà, c'était Balthazar sur mon gros coup de cœur, un des gros coups de cœur de jeu sur Thomson. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.